I get misty just holding your hand. Je suis content de vous retrouver dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler de biologie de l'abeille un petit peu, de cire aussi, puisque c'est des activités qu'on fait plutôt l'hiver. Bon, là, c'est la première semaine de mars. La nature est en train de débourrer au taquet. Regardez, tac, 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 tac. Vous avez vu ça? Non, mais ça part de tous les côtés. Sinon, je voulais vous remercier pour tous les retours que j'ai eus sur l'épisode précédent, l'épisode 4. Vous avez bien aimé la fin, les trois dernières minutes, je crois. Le petit hommage au P3. Ça a plu, et je suis content que ça ait plu comme ça. Alors, vous avez peut-être compris, pour ceux qui me suivent sur Twitter, ou c'était aussi à la fin de l'épisode 4, j'ai racheté le P4, hein, donc on va pouvoir faire des jolies images avec ça. Ça, c'est plutôt, je pense que vous êtes content. Moi, je suis content comme un gosse, voilà. Là, aujourd'hui, tout de suite, la cire, il va s'agir en fait de... Merde ! Ben voilà. Il va s'agir de faire des cadres comme ça. Concernant la cire, on va simplement passer les activités d'hiver. Il s'agit de faire des cadres gaufrés pour mettre la feuille de cire que je... Voilà, vous la voyez, elle est là derrière. Et puis je prends les cadres qui... Oh putain! Oh putain, non, c'est pas possible. C'était une blague, les gens. Il est là, le P4. Pas de soucis, c'est le vieux qui a sauté. Vous l'avez pas reconnu? Je suis mort de rire. Bon, allez, on active, là. Bah, pas que ça à faire, allez. Et les gens, il pleut toujours. Première semaine de mars, très pluvieuse quand même ici. Donc ça nous prouve aussi un petit peu la dépendance à la météo qu'on a. Si on a deux jours de soleil et que ça tombe à dimanche, faut y aller, hein, on n'a pas le choix. C'est ce qui m'est arrivé le week-end dernier où j'ai filmé et travaillé en même temps, mais je peux pas tout montrer. Je privilégie évidemment le travail d'abord, les colonies. Hein. En ce qui concerne la nourriture, faut juste veiller à ce que les colonies n'aient pas faim. C'est extrêmement important, évidemment. Aujourd'hui, donc, dans cet épisode, je vous propose deux school time d'affilée. On rentre dans le technique. Par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai pas la science infuse. Je peux aussi me tromper. Donc, il faut se tourner vers la littérature apicole. Il y a beaucoup de choses à redécouvrir, à découvrir, à apprendre. On doit tous progresser, moi le premier. Et aussi, il faut se tourner vers les autres apiculteurs, les professionnels, les amateurs, les GDSA, les groupements de défense sanitaire apicole. Il y en a un par département. N'hésitez pas à aller confronter vos connaissances, à progresser. C'est extrêmement important pour les abeilles. Allez, on y va. Donc la cire, les gens, alors c'est les abeilles qui la produisent, les ouvrières, grâce à des glandes cirières qu'elles ont sous l'abdomen. Il faut savoir que c'est un hydrocarbure, c'est pour ça qu'on en faisait des bougies, hein, des cierges. Nous, on utilise la cire pour, vous l'avez vu, refaire des feuilles chaque année. Donc comment on fait? On va chercher les hausses de miel en saison, et il faut savoir que les abeilles, quand elles ont rempli les alvéoles de miel, elles ferment l'alvéole avec une opercule de cire. Donc nous, quand on va extraire le miel, on a besoin d'enlever cet opercule de cire. Donc là, on a des machines qui font ça, c'est des machines à désoperculer. C'est très simple, c'est deux couteaux qui viennent couper l'opercule de cire qui est très très fine, et ce qui nous permet d'extraire le miel. Donc au bout d'un moment, on se retrouve avec beaucoup d'opercules de cire qu'on va refondre l'hiver pour enlever la plupart des impuretés et pour en faire des pains de cire. Hop là! Voilà.
Je fonds ça, moi, dans les bacs. Tac, tac, vous voyez, voilà. Je fonds ça dans les bacs, comme on a vu pour l'Ambrevoir, là, des auges de maçon de 20 litres, 25 litres. Là, c'en est qu'un petit morceau. Hein. J'ai coupé, vous voyez, je l'ai cassé là pour en garder un petit morceau. Dessous, ça fait cet effet-là parce que je verse la cire chaude dans de l'eau froide, ce qui fait que ça fige tout de suite et que ça fait des formes plutôt sympathiques. Maintenant, j'ai appris que je mettais trop d'eau. Depuis, alors je mettrai moins d'eau, mais j'aurai pas les jolies formes. Tant pis. Et puis, non, mais c'est pas mal aussi parce que quand il reste des impuretés, je sais pas si vous voyez, quand il reste des impuretés, c'est le noir qu'on voit là, eh ben, elle se fixe dans l'eau, ce qui fait que la partie supérieure est plus propre quand même. Hein. Voilà. Donc, ces pains de cire partent chez le cirier, c'est une personne, hein, c'est un humain. Lui, il a des machines chez lui, des rouleaux avec des matrices qui font que. Hop, il permet de ressortir des feuilles comme ça. Je vous montre un peu plus près. Vous voyez les alvéoles dessus? On met la trame des alvéoles pour que les abeilles n'aient plus qu'à suivre cette trame. En l'occurrence, on dit étirer la feuille de cire. Si on ne fait pas ça, dans notre cadre, ben tiens, celui que j'ai cassé là, elles vont construire anarchiquement, un peu dans n'importe quel sens. On ne pourra jamais ressortir le cadre. Hein. Et une fois qu'on a récupéré ces feuilles, eh ben, je vous montre. Pour la préparation des cadres, on prend. Donc les cadres à musique là qu'on a vu. Justement, on va vérifier l'étirement des cadres. Par exemple, je vois que ce fil-là, alors c'est un seul et même fil hein, qui fait des zigzags là, hein, on est bien d'accord, il passe là, etc. Parfois, il faut le retendre. J'envoie un coup de roulette, zigzag, ce qui fait que le fil va faire des hauts et bas. La longueur pour aller de là à là est plus grande, donc il est plus tendu. C'est tout simple. Après, il ne faut pas excessivement l'étendre, sinon vous allez cintrer le cadre. Sachant que là, pour la première fois, j'utilise des cadres filés horizontaux, verticaux, pardon. Usuellement, j'utilisais des cadres horizontaux. Ce qui est pas mal, c'est quand ils ont des œillets. En l'occurrence, là, j'ai racheté des cadres qui n'en ont pas. Je suis ravi. On a notre cadre, il est prêt à recevoir la feuille de cire. Là, je regarde où passent mes fils. Il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre, quoi. Voilà. Je la mets et je fais en sorte qu'elle rentre bien dans la fente qui est là. Ensuite, je me suis fait un petit support en polystyrène extrudé. C'est le même matériau que les partitions. Je le cale là en dessous. Là, il va s'agir juste d'amener un petit peu de courant pour chauffer le fil qui va souder avec la cire, qui va se souder avec la cire. Hein. Et ça risque pas on va pas mourir, hein. Vous voyez pas là, on va pas mourir avec ça, vous inquiétez pas, c'est du courant, mais c'est faible intensité. Hein. Donc hop, voilà, j'appuie là, j'envoie le jus, j'envoie le jus. Alors justement, faible intensité, il faut rester un peu trop longtemps à mon goût, mais voilà. Et voilà, c'est fini. Là, je vais rappuyer à peine au milieu. Donc là, il n'y a pas de courant. Je n'ai qu'un. L'autre, elle est là. Hein. Je n'ai qu'un machin. C'est pour bien faire pénétrer le fil partout. Et voilà. On a une feuille de cire. Alors, les cassantes, il faut que je fasse gaffe. Hein. On a une feuille de cire qui est soudée avec le cadre. Voilà. Et donc, ça va repartir dans la ruche. Je remonte un peu, vous me voyez. Zoup, salut. Et donc, ça va repartir dans la ruche. Là, en avril-mai. Pour renouveler les cadres, parce qu'il est important, extrêmement important, de renouveler deux cadres par an. Si on peut plus, faisons plus. On verra ça tout au long de l'année, comment on manipule les cadres dans la ruche pour prévoir de pouvoir en enlever au printemps suivant. Et ça, c'est extrêmement important, le renouvellement des cadres. Voilà. Là, il s'agit de ce qui se passe avec le cycle de croissance des trois castes qu'on a vues, la reine, l'ouvrière et le mâle. Alors, à la base, il y a des œufs que la reine pond. Seulement la reine pond. Pour les œufs de reine et les œufs d'ouvrière, c'est le même œuf à la base. Il s'agit d'un œuf fécondé. Ici, ce sera également un œuf issu de la reine, mais un œuf non fécondé. Elle a le pouvoir de choisir de pondre un œuf fécondé. Ou non. Donc, ok, ici œuf fécondé, ici œuf non fécondé. Donc, les 3 premiers jours, l'œuf est au fond de la cellule
Et nous, par exemple, quand on va vérifier l'état de la ponte d'une colonie, eh bien, on va regarder dans le cadre, comme je vous montrais tout à l'heure, bah là je prends un cadre de hausse, mais imaginez que c'est un cadre de corps, et avec le soleil qui va dedans, il faut faire gaffe quand même, il faut aller vite, on regarde justement les œufs qui sont au fond. J'essaierai de vous filmer ça, sachant que c'est quand même tout petit. Ensuite, après le stade de l'œuf, l'œuf se transforme en larve, d'accord? Sachant que vous voyez déjà, ici ce sont les mêmes durées en jours, là on commence déjà à avoir des durées plus longue pour l'ouvrière et le mâle. Pourquoi? Parce que la nourriture qui est donnée à la larve n'est pas la même. Ici, la reine va avoir de la gelée royale comme nourriture, en tout cas sa larve, hein, tandis que les ouvrières et les mâles vont avoir une gelée nourricière à base de gelée royale, mais avec du miel, du pollen, enfin, ce ne sera pas exclusivement de la gelée royale. La gelée royale porte bien son nom, elle est exclusivement réservée à la reine. Voilà. Et après le stade larvaire, la larve se transforme en nymphe, d'accord? Alors, ce qui se passe ici, et c'est pareil pour tout le monde, tac, 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 c'est pas les mêmes durées de jour, hein, on est bien d'accord. Mais ce qui se passe en noir ici, c'est l'operculation. Comme tout à l'heure, on l'a vu dans un cadre où les abeilles vont mettre une opercule de cire quand le miel est prêt, quand la larve est prête, elles vont operculer la cellule et la nymphe va terminer sa croissance dans une cellule fermée. D'accord? C'est ce qu'on appelle ici du couvain ouvert et ici du couvain operculé ou du couvain fermé. À chaque fois que nous, on observe ça dans la ruche, on a des indications énormes, mais il faut absolument maîtriser et connaître ça. On est bien d'accord? Après le stade de la nymphe, on a une reine adulte, elle sera vierge, elle ne sera pas encore fécondée par les mâles à ce moment-là, mais on a une reine vierge adulte à 16 jours. En ce qui concerne les ouvrières, vous voyez qu'il nous faut 21 jours pour faire une ouvrière. Donc par exemple, nous, quand on va visiter une ruche et qu'on voit qu'il y a, je dis n'importe quoi, deux cadres d'œufs, tout frais pondus, on sait que 21 jours plus tard, ces deux cadres vont se transformer en ouvrières adultes. Attention, ouvrières adultes, on a vu aussi qu'elles avaient un rôle différent suivant leur âge. Et même visuellement, on arrive à reconnaître des abeilles jeunes qui ont un petit peu de duvet, un petit peu comme des poussins, et des ouvrières adultes, voire âgées, qui perdent leur poil au fur et à mesure et brunissent. Et je vais essayer de vous montrer ça en direct sur les abeilles. Et les mâles, lui, il prend tout son temps pour grandir et il prend 24 jours, d'accord? Sachant que, en plus, il sera adulte, c'est-à-dire qu'il va naître au bout de ces 24 jours, mais il ne sera pas prêt à aller féconder la reine vierge. Il lui faudra encore quelques jours pour être mature, si vous voulez. Voilà les gens, je ne vous embête plus avec tout ça, mais ceux qui ont des ruches ou quoi, c'est quand même quelque chose que vous devez savoir, absolument. Bien sûr, référez-vous à la littérature ou à l'expérience des apiculteurs qui maîtrisent tout ça. Pour approfondir vos connaissances. Il y a des petites nuances que je ne vous ai pas expliquées, c'est que les cellules sont différentes pour les trois castes. On verra ça quand on visitera les ruches, ce sera beaucoup plus parlant. Voilà. Allez, je ne vous embête plus avec tout ça. Complétez vos connaissances.